Hola. Donc, il est 21h45, je vais commencer à faire ma valise maintenant parce que je vais clairement pas la commencer demain à 8h quoi. Je vais prendre cette petite valise. Alors, avec ma soeur et Marion, mercredi on est allé faire les soldes, du coup je vais vous faire un petit haul. Donc déjà j'ai acheté, donc ça c'était chez Jennifer, j'ai acheté ce jogging rose qui m'a coûté environ 13 euros. Cette petite robe blanche, voilà, et le dos il est genre comme ça. La poule à une bière pour 20 euros. Ce maillot de bain chez Undies, absolument magnifique. J'ai copié Charlotte. Elle a un truc pareil comme ça, enfin pas vraiment comme ça, je sais pas en fait, mais il est vert à paillettes. Et je me suis dit, il m'en faut un, du coup j'en ai pris un bleu comme ça. Il existait en vert aussi, mais je le préfère en bleu. Genre je trouvais que ça allait mieux avec moi. Ensuite, ce body absolument magnifique, doré, chez H&M, qui m'a coûté, je crois que ça m'a coûté 4 euros, 5 euros, voilà. En gros, ma sœur, elle pensait que c'était un crop top, enfin un pull en mode crop top classique, enfin normal, et elle avait pas vu que c'était ça remontait jusqu'en haut de la poitrine. Du coup, bah, je l'ai gardé, et ça a coûté 5 euros. Cette culotte de chez Undies, qui a coûté 7 euros, absolument magnifique. Ça a dépassé d'un petit jogo, genre vraiment trop beau. Chez Sephora, j'ai acheté ce body scrub. Il est 22h30, ma valise est faite, elle n'est pas fermée vu que dans tous les cas je vais modifier des choses d'ici demain. En tout cas là ce que je vais faire c'est que je vais nettoyer mes baskets parce que j'étais dans la terre toute la journée et du coup elles sont un peu pleines de terre, logique. J'ai fait mes ongles cet après-midi, enfin ma tante me les a fait. Donc en gros c'est, je sais pas comment on appelle ça, quand il fait chaud c'est blanc et quand il fait froid c'est rose. Du coup j'ai des ongles nickel pour partir. Relation. 237, t'as plus d'abonnés sur LinkedIn que sur Instagram. J'aurais trop aimé aller à Cibourg. Moi aussi. Mais Dijon, c'est bien aussi. Non, il y a pas la mer. On a une île. On est à Dijon. Oui, vraiment. Tu sais que je voulais grave faire un... j'ai besoin de tourner, j'aimerais bien avoir un profil assorti. Bon bref, on va aller faire les courses quoi. On va faire les courses? Oui. Ok. Moi ce que j'aime bien c'est que le McDo il soit vraiment juste en bas. Je suis en train de filmer des gens en date. Elle me fait l'entour, elle s'est retournée. Et lui il est encore comme ça. J'ai dit tellement.
Moi, je propose, on sort plus. Ouais, là, genre là, on va descendre, on va prendre notre petite commande en mode bon date. Bon date. On pointe sur toi, champion. Oui, je crois que. J'ai pas payé cadeau, mais c'est pas grave, c'est tout comme. Non. Joyeux anniversaire. J'ai rien vu. Ah merde. Joyeux anniversaire. 6 mois en retard. Attends, je te retourne dedans. Merde, on a quelque chose qui t'en fait. Je te dis, mais alors, regardez plus. Merci. Mais non. Mais la grande dinguerie. Ouais. Mais il est trop beau. J'adore. Mais. Un peu stylé. Incroyablement stylé. Il est trop bien. Mais t'as fait une robe. Bah ouais. Je suis tombée. T'en veux ? Ah oui, je suis tombée. Est-ce que tu as quelque chose à dire ? J'ai honte de mon accoutrement à l'heure actuelle. Et je parie, ok, je fais une prédiction. On va rentrer et Loïna n'aura pas fini sa douche. Ah bah voilà. King of the road, trader or sailor in. Man, trader or sailor in. Ain't got no cigarettes, but trader or sailor in. Bah on est passé devant. Du coup réexplique. C'est bon, j'ai. Quand on passe devant la chouette, on doit faire un vœu. Mais il faut impérativement passer par la chouette après de passer par le lézard. Sinon le lézard annule le vœu. Très important. Voilà, c'est chouette. Il faut toucher la chouette hein, quand on s'en fait un vœu. On va à Leroy Merlin pour acheter des cartons parce que mademoiselle déménage et qu'elle a pas assez de cartons. Ah oui, et là on sort du cinéma, on vient de voir qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu. Et c'était bien. Combien sur 10? 9. 9 carrément. Moi j'ai bien aimé. Sur 10 hein. En fait j'ai rigolé donc j'ai bien aimé. Moi je mettrais un petit 8. Ouais, moi aussi 8,5. Allez, 8,5. Super, moyenne de 8. Trop bien. On a nos cartons. On galère pas du tout. À peine. Non mais là ça me fait. C'est plus possible. On va chercher McDo. Genre c'est pas comme si on a mangé McDo il y a deux jours. Enfin en fait c'est que moi qui ai mangé McDo. Et voilà, on s'est. Il est 15h du matin. Ouais, il est 15h. J'ai dit 15h du matin parce que c'est notre matinée. Hein. Ouais, c'est levé, il était 13h. Parce que hier on a eu des grandes conversations. Très bien. Donc là on est en plein déménagement pour Halloween. Moi, je suis vraiment en mode. Oui, puis dans deux ans, elle va refaire ça et elle va redire faut vraiment que je mette de la crème. Il est 20h passé, on va au restaurant. Oh, elle parle trop. Bon, il est 20h passé, on va dans le centre de Dijon pour trouver un resto pour passer notre dernière soirée ensemble, toutes les trois. Jusqu'à la fin de l'été, si c'est pas triste. Qu'est-ce que t'as foutu? Mais qu'est-ce qu'elle a foutu? Tu vois, qu'est-ce qu'elle a fait? Mais j'ai pris une pomme de douche en plus. Mais il. Oh mais il. Oh putain, je l'ai mieux coiffé, fais chier. Il est où le truc? J'ai enlevé les cheveux de la douche et j'allume un peu, mais sauf que en fait, j'avais pas. J'ai allumé l'eau trop fort, ce qui fait qu'elle descendait sur le robinet et en même temps sur le pommeau de douche. Genre. Et j'étais entre le pommeau et voilà. I begin to.
attendez une lettre de regret. On ne touchera pas ta caisse si tu me rends mes affaires. Il n'ira pas tomber.